Il y a un truc qui commence à m'énerver. Le premier m'avait déjà énervé, hein, parce que, bon, Laurent Deutsch, alors, je vous explique une couverture de Laurent Deutsch. Alors déjà, le plus important dans ce truc, c'est ce qui n'est pas dans, sur la couverture. C'est-à-dire, sur la couverture, vous allez à l'intérieur, il y a marqué « Avec la, la complicité d'Emmanuel Lehmann ». Ok ? Alors, qui a fait quoi ? Alors lui, il n'existe pas, alors qu'il a reçu quand même, je vous signale, un prix de l'Académie française, hein, pour un livre. Donc c'est pas n'importe qui. Donc je suppose que le monsieur, il a dû faire, il a dû résumer pas mal, il a dû donner son style, parce que c'est un excellent écrivain. Laurent Deutsch, footballeur, très très grand footballeur, comédien accessoirement, non je suis méchant. Voilà, comment on fait une couverture pour attirer les gens ? Alors, regardez, la barbe, ça fait sérieux, hein. Parce qu'il a un petit côté genou, il a un petit... Les lunettes, un télo, ok. Il s'est refait un peu les cheveux, du genre pour le genre idéal, parce qu'il ne faut pas non plus... c'est pas non plus trop, hein, c'est... Voilà. Il a beaucoup étudié, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Il s'est mis son petit costume classique, décontracté, vous voyez, de genre, je ne suis pas un intello non plus, mais je ne suis pas un neuneu non plus. Enfin, vous voyez, je ne suis pas non plus le zonard, donc le petit t-shirt blanc pour faire relax, et puis la petite veste quand même pour faire... Il a essayé de trouver un titre différent, original, c'est un peu un titre à la con, hexagone, enfin, il n'y a pas d'autre mot, en voulant faire original, c'est nul. Et puis, sur les routes de l'histoire de France, ça ne veut rien dire à peu près. Bon, qui a écrit quoi alors... C'est vrai que ça a son public, hein, je veux dire. Bon, déjà, lui, il a un problème, c'est que l'histoire de France s'arrête au moment où on a coupé la tête du roi. Donc après, c'est vraiment... le premier tome avait été très, très controversé. Si vous avez des parents un peu diminués, qui ont eu un AVC ou qui ont eu 70 ans et qui commencent un peu... pas 70 ans, parce qu'on est en pleine forme, mais qui sont un peu... Voilà, voilà, qui n'ont pas beaucoup de vocabulaire, qui aiment les choses toutes faites, simples et tout, où c'est pas... Vous voyez, vous n'allez pas avoir une tumeur au cerveau si jamais vous essayez de comprendre. C'est pour eux. Alors ça, je le comprends. Ça devrait être distribué dans beaucoup de maisons de retraite. Et encore, je suis un peu méchant avec les maisons de retraite. Donc je pense que c'est un peu... L'historien pour maison de retraite, ça s'appelle Hexagone de Laurent Deutsch, ça vaut quand même, il s'emmerde pas, enfin il s'embête pas, 18 euros. Hein. Il a beaucoup marché, hein. Il a marché pendant 2600 ans puisqu'il a fait toute la France. il fait pas son âge, mais enfin franchement, il se fout du monde. Ce qui me fait peur un peu, c'est que tout le monde va offrir ça encore à Noël. Alors si on vous offre ça, dites-vous bien que la dame, le fils, le mec et tout ça, ils ne sont pas cassés. Hein. C'est un truc de supermarché. Ils se sont dit, Laurent Deutsch, on va refiler ça à la vieille ou au vieux. Ils vont être contents, tout le monde en parle. Et vous allez avoir l'impression d'avoir lu un truc sommet chez sommet, alors que, je veux dire, c'est un peu, comment vous dire, vous savez, le poisson pané dans le truc par rapport à un bon filet de cabillaud.